Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à synthétiser plusieurs tableaux qui se trouvent dans plusieurs feuilles. Ici, vous avez trois tableaux pour Paris, Nantes et Brest, qui sont dans trois feuilles différentes. Et on va apprendre à les synthétiser avec Power Query de manière automatisée. Et du coup, sans formule et de manière ultra robuste. Et de manière à ce que si jamais il y a une quatrième équipe qui se crée, une cinquième, etc., ils viennent automatiquement s'implémenter, s'intégrer dans notre synthèse. Et du coup, voilà, pour faire ça, on va faire du Power Query. Et pour une fois, dans Power Query, on ne va pas passer par obtenir des données à partir de quelque chose qui existe. On va prendre à obtenir des données, mais à partir d'autres sources. Et on va commencer par une requête vide. Et dans cette requête, on va lui demander de venir fouiller un peu la totalité de notre fichier Excel qui contient la requête Power Query. Donc, hop, vous allez dans Données, obtenir des données à partir d'autres sources et requête vide. Si je fais ça, je vais avoir une requête qui justement ne contient aucune donnée par défaut. Je n'ai pas été me connecter à une source de données qui pourrait être dans le fichier ou qui pourrait être en dehors du fichier. Je me suis connecté pour l'instant à rien. Et quand on se connecte à rien, l'un des, à mon avis, premier truc à faire, seul truc peut-être à faire, premier en tout cas, c'est Excel. On tape égal Excel. Il va nous proposer point current workbook. Si vous le propose pas, vous tapez Excel et vous continuez à taper sans le point les différents trucs jusqu'à avoir Excel point current workbook. Vous le sélectionnez et on va ouvrir et fermer les parenthèses. Si je fais ça, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir Excel via Power Query, il va ouvrir lui-même, va ouvrir ce propre fichier et prendre tous les contenus qui sont récupérables de manière normale, de manière principale, on va dire, dans Power Query. C'est-à-dire normalement les plages nommées ou les cellules nommées, mais surtout, et c'est ça le plus important, les tableaux. Et donc moi, les tableaux, ils ont des noms. Je ne vous l'ai pas montré, mais ils ont des noms. Ils s'appellent Tab Paris, Tab Nantes, Tab Brest. Donc là, si j'appuie, il vient me récupérer les trois tables que j'avais. J'avais trois tables, Paris, Nantes, Brest, hein, et j'ai les données qui sont dedans. Alors les données qui sont dedans, si je veux pouvoir les voir, je clique dessus et je vois que j'ai à l'intérieur toutes les données qui correspondaient à ce fichier-là. Donc je vois pas tout, hein. Faudrait que je scrolle, faudrait que je mette ça en plus grand. Mais en vrai, il y a tout. Il y a toutes les lignes et toutes les colonnes qui correspondent à ma table. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais. Alors je vais peut-être faire ça. Je vais passer la colonne de nom du tableau au départ. Je vais l'appeler équipe parce que finalement moi c'était des équipes, l'équipe de Paris, l'équipe de Nantes, l'équipe de Brest. Je vais remplacer, histoire de faire les choses bien, à l'intérieur tab underscore par rien du tout. Donc je vais, en général moi je fais clic droit à remplacer. Peut-être que pour changer, je vais faire transformer colonne de texte, extraire et je vais prendre le texte après un délimiteur, et mon délimiteur, ça va être le underscore. Donc là, j'ai plus que les noms des équipes. J'ai pas besoin de les renommer équipe Paris, équipe Nantes, équipe Brest, c'est ce que j'avais dans les feuilles. Mais en fait, comme c'est une colonne équipe, on comprend. Et ici, c'est ça qui va être le plus important, je vais pouvoir développer toutes les données que contiennent chacune de mes tables ici. Donc, juste je vous montre, hein, si jamais je cliquais ici, il m'ouvrirait cette partie et il me donnerait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais moi, je veux pas qu'il fasse ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il développe pour chacune de mes parties l'ensemble des lignes et l'ensemble des colonnes qui correspondent à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais avoir plusieurs lignes pour Paris et je vais passer de trois lignes en tout et de X colonnes, de deux colonnes à peut-être une vingtaine de lignes et une vingtaine et une dizaine de colonnes. Donc, je fais ça. Je vais dire de ne pas utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, sinon tout s'appellerait content employé, content formation. Et du coup, je fais ça. Donc j'ai 12 colonnes et 19 lignes. Et j'ai toutes mes formations à l'intérieur, avec tous mes débuts de formation, toutes mes fins de formation. J'ai tout ici. Et je pourrais m'arrêter là et charger, ce serait déjà vraiment pas mal. Je vais quand même changer le nom de ma requête. Je vais l'appeler toutes les équipes. Donc c'est les formations de toutes les équipes, je vais peut-être mettre ça plutôt forme toute équipe. Donc formation de toutes les équipes. J'ai des dates
et je vais les mettre dans les bons formats et pareil pour des montants. Donc ces deux colonnes-là, je vais les sélectionner, clic droit, modifier le type et je vais mettre que c'est juste des dates. Il n'y avait pas d'heure, j'avais pas mis d'heure là-dedans, donc juste des dates. Et ici, le coût et le coût ici, je vais les mettre en clic droit, modifier le type, en devise. Et les durées. Alors, peut-être durée, je vais passer par là, j'en ai qu'une seule. Je vais mettre des nombres décimaux. Il peut y avoir bien sûr des formations qui font 3,5 heures, 1h30, etc. Et les participants, par contre, c'est forcément un nombre entier. Donc, je vais mettre des nombres entiers. Donc, j'essaye de bien typer mes données parce que ça peut être utile pour plein de trucs. Et notamment, vous allez le voir, je vais faire un tout petit truc, c'est que je vais faire ici, je vais ajouter deux colonnes, donc ajouter une colonne, et je vais faire colonne de date, je vais ajouter l'année, ça va mettre une année à la fin, je vais la laisser à la fin, je pense, c'est très bien, et je vais faire une deuxième fois la même chose, donc sur le départ avec le mois, et je vais demander le nom du mois. Et même si je sais que tout le monde, je vais mettre moi, tout le monde n'est pas forcément d'accord, et en vrai c'est vous qui avez raison, moi je vais quand même mettre une majuscule. Normalement en français on ne met pas forcément de majuscule au début d'un nom de mois. Mais je vais le faire quand même. Je vais faire première lettre majuscule et c'est fini. Donc là en fait je vais faire accueil, fermer et charger. Ça va me créer une nouvelle feuille. Forme toute équipe. Je vais. Partout où j'avais mis à 80%, je vais mettre à 80% aussi. Je vais mettre juste un peu d'espace. Moi, j'aime bien avoir un peu d'espace, un peu d'espace à gauche et en haut. Donc, je fais ça. Je vais mettre les mêmes couleurs juste parce que moi, j'aime bien. Requête. Création de tableau. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, ce tableau-là. Donc, je vais mettre ça. Et puis, je vois que c'est un peu court. Je vais tout agrandir. Je vais mettre que tout fait 15 de large. Voir ce que ça donne, ça a l'air pas mal. Je vais sélectionner ça et un tout petit peu de mise en forme. Alors je fais simpliste, hein. Ici je sais que c'est des montants, donc je vais les mettre en monétaire. Donc là je suis plus dans Power Query, hein. Évidemment je continue à faire les petits trucs qui me semblent pertinents, mais par contre je vais avoir encore une étape Power Query après. Hop, je fais ça, je me mets là. Et puis dernière étape avant Power Query, avant le dernier truc Power Query, j'enlève le quadrillage. Donc là, bah, j'ai quelque chose qui vient synthétiser tout ce que j'ai ici, ici et ici. Évidemment, si je rajoute là une nouvelle personne, si je rajoute Thomas, je mets rien, je sauvegarde et je vais juste vérifier que dans Paris, Thomas s'est bien rajouté. Donc si je sauvegarde et qu'ensuite je vais dans Données et je fais actualiser tout. Alors j'ai plein d'autres trucs qui sont rajoutés, mais j'ai bien Thomas. Parce que je voulais vérifier, est-ce que j'ai bien Thomas? Et pourquoi j'ai d'autres trucs qui sont rajoutés? C'est parce que bah, dans mes tableaux, j'avais trois tableaux. J'ai dit à Excel de les synthétiser. Et quand je l'ai relancé, bah, finalement, j'avais un quatrième tableau parce que mes trois tableaux s'étaient synthétisés dans un tableau qui s'appelle toute équipe et qui, du coup, posait problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Power Query. Lancer l'éditeur. Et je vais faire quelque chose que je ne pouvais pas faire avant, ou pas, c'était pas intuitif. Je vais lui dire dans ma source, si je l'actualise, vous allez voir que maintenant il y a formation, forme toute équipe. Et dans ma source, je vais lui dire de filtrer pour ne pas prendre forme toute équipe. Et évidemment, s'il y avait des tableaux qui n'étaient pas des équipes, qui étaient d'autres choses, vous pouviez les filtrer à ce moment-là aussi. Donc là, si je fais OK, j'ai plus ça. Donc quand je regarde, j'ai plus toutes mes équipes qui se sont doublées finalement. Et là, je peux faire fermer et charger. Et là, ça a bien fonctionné. Alors j'ai perdu la hauteur de mes lignes. Je vous montre comment faire. Je sais pas, j'ai zappé de vous le dire. C'est plus les bonnes largeurs de colonne, je pense. Je vais faire 15, etc. Et puis pour pas que ça me le refasse, je vais dans Propriétés. Je vais dire de plus ajuster. Donc sur ce formation toute équipe. De ne plus ajuster la largeur des colonnes. Et du coup, là, j'ai nickel. J'ai quelque chose de nickel. Thomas s'est ajouté. Si je décide de supprimer Thomas, hop, et que je sauvegarde et que j'actualise, bah, Thomas s'enlève. Et évidemment, et ça c'est intéressant, si je rajoute une équipe,
Donc déplacer et copier, je vais rajouter une équipe. Donc je fais clic droit, je rajoute une équipe. Je vais l'appeler équipe Angers. Si je fais ça et que là il y a X, Y et Z, pour que ce soit facile à visualiser, hein, bien sûr, et que je fais maintenant, je vais juste faire un petit truc, c'est que cette équipe-là, elle est dans un tableau, donc la feuille a un nom, mais le tableau a un nom. Et le tableau, c'est ça que je vais changer, c'est l'une des manières de le faire, on pourrait bien sûr faire autrement. Hein. Mais je vais appeler ça tab Angers. Et si maintenant je fais actualiser tout, donner, actualiser tout, eh ben j'ai bien tab Angers, j'ai bien l'équipe d'Angers qui s'est rajoutée avec toutes les informations qui y vont avec. Et voilà une manière toute simple de, si vous avez le cas, et je vous encourage pas forcément à l'avoir, mais si vous avez le cas d'avoir plusieurs feuilles que vous voulez synthétiser en une feuille récap qui vienne reprendre toutes les informations sans copier-coller, sans risque d'erreur, sans tout ça, et ben je vous conseille de faire ce petit truc-là de Power Query, données, obtenir des données à partir d'autres sources, requête vide et d'écrire égal excel.currentworkbook. Ensuite, vous faites toutes les petites manips qu'on a faites, vous en faites plus s'il y a besoin, vous en faites moins s'il n'y a pas besoin de tout ça, mais vous avez à avoir un truc qui va être nickel. Et voilà pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à me demander en MP, bien entendu. Si jamais vous voulez, ça vous titille et vous dites, tiens, mais en fait, je pense que je pourrais gagner du temps dans mon boulot avec ce genre de truc-là, eh ben, demandez-moi en MP ou contactez-nous sur le site, sur solpedine.com. Vous allez le trouver partout, donc c'est le nom de ma boîte.com. Et ce sera un plaisir de discuter avec vous, d'échanger, pour savoir si il n'y a pas moyen, si c'est pas intéressant pour vous de vous former individuellement, en face à face, et qu'on travaille ensemble. Voilà pour cette vidéo, et puis à bientôt!